le bonsoir, chers internautes. Nous sommes aujourd'hui à Yopougon. Voilà. Nous sommes à Yopougon. Et avec vous, nous parlerons d'un sujet très important. De l'importance du sexe dans une relation amoureuse. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter, de liker nos vidéos, de partager aussi sur tous les réseaux sociaux nos vidéos. Parce que nos vidéos que nous faisons, c'est pour votre distraction, c'est pour égayer en fait la jeunesse. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous. N'oubliez pas, activez la cloche de notification et en cela vous serez abonné. Vous pouvez recevoir toutes nos vidéos que nous faisons chaque jour. Voilà. Sur ce, nous vous disons tout à l'heure. Mademoiselle. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? C'est pas très bien, chez vous. Très bien. Actuellement, c'est pas trop la voix. Hein. C'est bien à quoi? La fête. La fête. Ah, tu as fêté, là? 2021, c'était pour toi-même. Bien. Ouais, ouais, on peut dire ça. D'accord. Le sexe est-il important dans une relation? Pour ma part, oui. Le sexe est important dans une relation? Oui. Pourquoi c'est important? C'est important pour maintenir le partenaire. Le partenaire. Donc, une relation sans sexe peut faire fuir le partenaire. Oui, oui, exactement. Un partenaire peut être maintenu si et seulement s'il y a le sexe. Et s'il vous demande à tout moment, vous êtes capable de lui donner? Non. Elle le refuse. Ça aussi peut partir. C'est pas grave, il n'a pas parti. Du moment où tu lui donnes, si c'est pas tous les jours, c'est bon. Mais si c'est tous les jours, c'est pas bon. De manière modérée. Combien de fois par semaine comme ça? Deux fois. Deux fois par semaine. C'est pas insuffisant? Non, moi je trouve que c'est normal. C'est normal. Pour vous-même là, vous faites combien de fois par semaine? Une fois. Pourquoi une fois? Une fois, parce que moi. C'est pas trop ton genre. Mmh. Là tu es sûr. Mmh. C'est sûr que ça, il va pas aller voir ailleurs. Non, il va maintenir ton homme. Il va aller voir ailleurs. Ah, non, tu le chasses. Oui, il faut que moi il me garde. Ah, ok. Tu n'es pas que du genre, ta petite fan. C'est vrai, le sexe, toi, fais le sexe, ça c'est fan. On sait pas si c'est lui qui a été marié, c'est ça. Non, tu dois te préserver. Si tu veux encore aller te tromper, le sensei va arriver. Non, c'est pas mon problème, c'est bien sûr. Ah, deux fois par semaine. Voilà. D'accord. Est-ce que toi-même tu aimes le sexe? Non. Je n'aime pas trop. Et tu peux te donner combien de. Tu peux te donner combien 600? Combien de. 75. 75. Oui, oui. 75, c'est-à-dire que tu aimes même pas trop? Oui, pas trop. Bonsoir monsieur. Ouais, bonsoir. Comment allez-vous? Il va bien. Voilà, le sexe est-il important dans une relation? Oh, ouais, ouais. Trop important. Trop important. Pourquoi ouais. Trop? Puis en esprit, il faut croire qu'il y a de Dieu au moussou. Ouais, ouais. Tu as lu de Dieu. Il a bouffé toi ton lin. Ouais, ouais. Oh, c'est souffrance. Mm-hmm. Donc, il faut croire qu'il a. Tu as lu de semi-semi, là, c'est pas bon. Elle a rien donné. Elle est partie con. Elle est malade, quoi. Attends, non, on est obligé de. En fait. Voilà. Mais si tu demandes d'habitude, non, tu demandes de donner. Et puis le jour où tu viens encore, tu demandes une quatrième fois, tu dis non, qu'elle n'a pas envie. Quelle sera ta réaction? Elle est marrante. Elle n'a pas envie. J'ai dit que tu as demandé auparavant. Hein. Ouais. Tu viens deuxième jour encore, tu demandes. Elle dit non, on a fait deux fois dans la semaine. Il faut attendre, faire encore la prochaine semaine. Ouais, viens, mais moi, pas de mentir. Hein. En espérant, si elle m'a jamais rien donné, à moi, elle a droit. Mais si elle m'a donné, mais ouais. Elle refuse. Ouais, elle refuse. Qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être elle est en menstruation. Un quoi? C'est un truc qu'on a toujours un peu, non, elle est sciencée. Donc elle peut dire non, quoi, elle va dire, ouais, pour clé. Mais elle va lui dire. On appelle ça un siphon. Puis elle va dans un siphon. C'est un homme. Oui, effectivement, c'est un homme. C'est normal. T'as dit comprends. Non, tu ne peux pas concevoir une relation sans le sexe. Pour toi, c'est impossible. Non. Comment tu nourris la fille, elle va donner force. Elle va donner, mon. Non, même si elle refuse, c'est Marie qu'elle a bouffé ton nom, t'as fait quoi? Elle refuse qu'elle bouffe mon lent. Tiens, moi, c'est pas on, mais c'est pas on, mais c'est pas ce qu'elle fait là. Elle a frappé, mais elle a laissé quand tu as pas. Elle va la beauté, mais elle frappe à Moussou. Mais en esprit, elle va croquer, c'est mieux. Mais elle, justement, elle a gbappé, elle est mal maudite. Jésus! Elle a bouffé ton nom, quoi. Elle s'est permis de bouffer ton nom. Ah, l'an que t'as souffert comme ça là. Ouais. En esprit, maman, faut croire qu'il a. Hein? Mm-hmm. Il a fait 3 mois. Il a mis mes descents. C'est le moment où il me donne descents de génie. Ils sont économisés. Ils sont dans le oui, oui. Il est pareil quand maintenant. Quand t'as venu, même t'as pas mes. T'as refusé. Mais elle a refusé. Non, oh, pas... mais elle est pas gentille. Hein. Ah, si elle fait voilà. Ça. En tout cas, elle te comprend. Voilà. Donc, c'est un homme, c'est normal. Voilà, c'est normal. Toi-même, tu aimes le sexe, même. Comment il est mauvais. Pourquoi? Tu fais ça combien de fois par semaine? Bon, tu aimes au moins 5 coups, quoi. 5 coups? Ouais. Par jour. C'est ce qu'il boit bien, c'est ce qu'il boit bien. Quel bien précisément? Ah, il va black.
voit black. Ah, mon pain. Ça excite, ça donne envie même. Quel monsieur connaît, il est. On dit, il voit black, ça excite, ça donne envie. Donc, vous pouvez essayer, on sait jamais. Ouais, quel monsieur connaît, il est moins pute, c'est moi. C'est mon frère qui m'a gamé les amours, et puis elle a déchiré mon habit. Ça? Ouais. T'es en ta même. En ta même. Ah, méchant. D'accord, et donc tu fais 5 coups. Combien de fois par jour? Par jour. Au moins. Au moins. Combien de fois? Bon, au moins 3 fois par semaine quand elle a tchao. 3 fois par semaine. Ouais. Mais par les 5 coups, 3 fois par semaine, ah, moi je vais poulain. Donc au moins, il m'a fait une fois, quand, puis au moins un jour arrive quand il peut faire au moins 2 coups. Le jeu a arrivé au moins un coup dans la réponse. Maintenant, tu peux te noter combien de. Tu peux te noter sur combien? T'as dit, sur 100% là, ouais. Tu peux te donner quelle note? Moi, je vais me donner 100%, puis il est trop bon. Aïe, 100%, là, tu dépasses 100%. Non, je dépasse, mais il est trop bon. Tu as dit que toi, tu aimes ça même. Et même pour que les témoignes. Ah, elle voit que vous êtes témoigne encore. Oh, elle connaît. C'est chaud. Elle a peint la dernière fois, elle s'est... Elle a peint. Elle a... Elle a... Elle a... Elle a bouleversé l'hôtel. Elle a fait un moment quoi, tu vois. Regarde-moi, c'est quoi, moi, moi ici, hein. Moi, c'est pas mon nom. C'est normal. C'est pas ton nom cadeau. Voilà, puis les mousses et les barbières sont trop foutaises. Je te dis, oh, pourquoi elle fait ça? Ils dépensent pour un 31, puis elles vont partir. Non, je vais mettre des gammes d'argent, tu vois, des gammes de l'an, des gammes de l'an. Tu es prêt, une tosse, tu t'apprends. Maintenant, maman, nous, on veut les moutons à Nakamura, tu vois un peu, non? Ah, les moutons, nous, on veut la taille fine, tu vois, non? Les moutons, pas des lignes. Voilà, c'est ça, maintenant, on veut. Mais les moutons, pour aussi, elles aiment trop frais, elles aiment trop frais des lignes, et puis elles aiment pas le sexe, donc, on veut plus ça aussi. Donc, vous prenez n'importe quel mousse. Voilà, tu vois, non? Les moutons, ouais, dans le sexe, elles bouffent non, c'est bon. Mais, pour que les mêmes, elles sont bonnes. Pour que les mêmes, bon. Ouais, pour que les mêmes, elles sont sérieux. Au moins, pour que les mêmes, ouais. Elle est sérieux, elle. Oui, elle est fan des lignes. Donc là, tu vois un peu, non? C'est pas quand tu donnes, tu mets, non, tu fais. Elle aime le sexe. Elle t'a même, elle a fait même. Ah, il y a un petit couloir là, dauphin bleu. Hein, dauphin quoi? Dauphin bleu. Dauphin bleu. Trop pas bien. Elle pèse mal. Jésus! Est-ce que les gens ont fait un tour là-bas ou bien? Ah, ouais, ouais. Pas même. Ils vont aller là-bas, ils vont croire, ils vont pas croire. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes toutes belles là. Merci. Vous avez un rendez-vous prévu pour ce soir? Ah, ben oui, hein. Ah, d'accord. Excusez-nous, on va pas rentrer dans les détails. D'accord. Au fait, la question de ce jeu est très simple. Le sexe est-il important dans une relation? Oui, le sexe est très très important. Très très important. Très important. Très même. Très. Et pourquoi le très même? Le très là. Pourquoi le très? Ouais, ça, tout ça fait partie de l'épanouissement. L'épanouissement de qui? La femme ou bien l'homme? La femme comme l'homme aussi. C'est important. Vous ne pouvez pas concevoir une relation sans sexe? Oui, pourquoi? Pourquoi sans sexe? C'est normal. Avec le sexe, c'est normal. Vous pensez que pour une fille qui ne donne pas le sexe toujours à son homme peut la laisser? Oui, bien sûr. Et vous, vous le faites combien de fois par semaine? 3 fois par semaine. Et quand monsieur demande plus, est-ce que vous acceptez? Oui, j'accepte. Et pourquoi tu ne refuses pas? Puisque tu dis que toi-même à la base, c'est 2, pourquoi tu ne refuses pas? Pourquoi je vais refuser? C'est mon homme, c'est normal. Vous ne voulez pas qu'il parte ailleurs. Donc, tant qu'il y a un homme, je lui donne. Et que penses-tu pour les filles qui disent que ce n'est pas le sexe qui maintient un homme? C'est qu'elle n'aime pas la personne en question. C'est quand tu aimes, tu dois donner. Même à tout moment, il demande. Bien sûr. Quand tu es fatigué. Oui. D'accord. Est-ce que vous-même, vous aimez le sexe, même en tant que tel? Ouais, j'aime le sexe. D'accord. Et à combien de pourcents? Si vous devez vous donner une note. Combien? 100%. 100%. 100%. Mais vous devez faire 2 fois par semaine. Oui. Comment ça, 2%? Bon, pour le moment, je ne vis pas avec lui. Donc, c'est normal. Mais si je vis avec lui... Tous les jours. Tous les jours, matin, qu'on s'assit, demande, on le donne. Tout ça pour éviter d'aller chercher les autres. Quoi. Voilà. D'accord, c'est qu'il sera, il sera heureux. Hein. Bien sûr, il est heureux même. Il apprécie la manière de faire. Ah, ben oui. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Voilà, c'est que c'est-il important dans une relation? Non, non, pas vraiment. Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi pas forcément? Parce que s'il y a l'amour, c'est déjà bon. S'il y a l'amour, c'est déjà bon. Oui, pour vous, le sexe n'est pas important. Non, non, c'est pas important. C'est pas ça qui fait l'amour, c'est pas ça qui retient un homme. Non, non. Vous êtes sûr? Oui. D'accord, et vous pratiquez le sexe combien de fois par mois, par jour? Au moins 2 fois. 2 fois par semaine? Non, pas moi. Par mois. D'accord. Et est-ce que vous aimez le sexe ou bien c'est moins? Non, pas trop. Pas trop, monsieur n'en demande pas trop.
Non, non. Il demande même à toi. Tu refuses souvent. Ouais. D'accord. Et tu te donnes combien sur 100% concernant ton amour pour le sexe? Au moins 80. 80%. 80%, c'est proche de 100. Vous savez que t'as tiens même. Non. Pas ça. Pas ça. T'as donné ça comme ça. Ouais. D'accord. Donc, on retient que tu n'aimes pas trop. Mais tu fais ça rarement. Tu fais, mais c'est rare. C'est rare. Et pour toi, le sexe ne peut pas maintenir un homme. Je suis un. Ouais. Donc, quelqu'un qui vit avec un homme, son homme lui demande le sexe chaque jour. Elle refuse. Tu es sûr qu'elle ne va pas dire? Non, pas forcément, pas chaque jour. Au moins deux fois par semaine, mais une fois. Une fois? Ouais. Les hommes maintenant une fois par semaine. Elle demande plus non, que avec, ça. Hein. Non, avec moi, c'est une fois ou deux fois. Ouais. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Voilà, merci. Le sexe est-il important dans un couple? Non. C'est un peu important dans un groupe. Et pourquoi c'est pas important? Bon. Je sais pas, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas important. Tu ne trouves pas que c'est, tu trouves pas que c'est important? Oui. Tu ne trouves pas que le sexe peut garder un homme? Peut maintenir un homme? Non. Le sexe pas maintenir un homme? Non. Mais est-ce que toi, tu aimes le sexe? Est-ce que tu pratiques le sexe? Moi, j'aime pas en tout cas. Mais tu pratiques, mais tu n'aimes pas. Et tu peux te donner combien de 100% comme ça? 50%, la moitié. La moitié. Ce qui veut dire que tu n'aimes pas trop. J'aime pas trop. Ouais. Donc tu fais combien de temps sans faire? Tu as dit que tu pratiques là pendant que dans la semaine, tu peux faire combien de jours comme ça? Sans faire le sexe. Deux semaines, c'est moi-même. Après, sans faire. Mais le monsieur ne veut pas ou même parce que toi-même là. Bon, ça m'appelle, si te demande, tu peux accepter. Mais toi-même, t'es levé comme ça, tu n'acceptes pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Le sexe est-il important dans une relation? Ouais, je peux dire ça, ouais. Très bien même, zo même. Très important. Très même. Et pourquoi zo même, zo là? Tu dis ça encore. Bon, en une relation, ça n'a pas de sexe, c'est que c'est pas une relation. Ouais, surtout moi j'aime ça, apparemment j'aime ça. Tu aimes ça. Trop meuf, faut pas dire ça. Donc si toi tu as une meuf et puis tu lui demandes, elle te refuse à chaque moment. Là. C'est-à-dire qu'elle accepte, elle fait deux fois par jour, mais une fois, puis elle te refuse chaque jour là. Le bras. Aïe, même si elle te dit qu'elle est fatiguée. La bras. Quand elle bouffe maintenant, voilà, il travaille à côté d'elle. Donc il y a envie aussi là, à accepter. À n'importe quel moment tu as envie d'accepter. N'importe où. Même si elle est fatiguée, tu ne tiens pas compte de ça. C'est rien même. C'est rien. Elle va accepter. Donc, est-ce que toi tu aimes le sexe? Ah, il est vrai, c'est ça, tu aimes ça. J'aime ça même, je dois être ça même. Oh, faut croire. Sans ça, tu peux tomber malade. Il peut pas tomber malade, il est léger. J'aime ça même. Ouais, ok, tu aimes ça à combien de pourcents? Si tu dois te donner une note, 100%, tu aimes ça à combien de pourcents? 99. 99. Ah, il reste 1%, il faut que ça fasse 100 même. Faut croire. Non, ça n'a pas de soucis. Donc, on retient que si tu as une meuf qui te refuse, toi, tu la laisses. Je la brame même temps. Elle a refusé, je brame même temps. Et donc, deux mains. Même si d'habitude, elle accepte, elle a refusé, c'est juste là, tu bras. Je la brame, chape. Tu dis pas dans mauvais rêve. Quand on dit pour toi, tu dis pas dans mauvais rêve. Ah, ça, c'est un peu compliqué. Hein. Non, t'es mort, le chape, quoi. Ah, tu connais. Chape. Sans l'heure. Sans l'heure. 24 heures, 24 heures. Là, t'es toujours en mouvement. Ça. N'a rien fait même. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Voilà, faire l'amour est-il important dans une relation? Oui. Pourquoi c'est important, faire l'amour? L'amour dans une relation importante. Important parce que le conjoint et la conjointe vont vouloir se solliciter. Est-ce qu'on appelle l'amour, on vouloir se rapprocher. Ce qu'on appelle l'amour, c'est important pour un couple. Donc toi, tu trouves que faire l'amour, ça permet de se rapprocher de ton conjoint. C'est ça? Faire l'amour qu'on permet de consolider les relations, de te rapprocher de ton conjoint. Oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que vous pratiquez combien de fois par semaine? Par semaine. Peut-être au minimum deux ou trois fois par semaine. Deux ou trois fois par semaine.
deux ou trois fois par semaine. Et au maximum. Pas de maximum. Pas de maximum. Ça arrête. C'est pour toi, c'est deux, un l'intervalle entre deux et trois par semaine. Trois jours par semaine. Oui. Est-ce que vous aimez le sexe? Non, je n'aime pas le sexe. Tu n'aimes pas le sexe? Je n'aime pas le sexe parce que, comment dirais-je? Je ne suis pas. On peut dire pervers, non? Je ne suis pas trop pervers. Même ceux qui aiment le sexe, ce n'est pas une question de pervers. C'est normal, on demande. Oui, ce n'est pas une question de pervers. On demande si toi tu aimes le, toi, tu aimes le sexe. Moi j'aime. Si tu fais ça que tu aimes. Moi j'aime quand je demande à ma conjointe que non j'ai envie. Et j'aime. Quand ma conjointe, ma conjointe me demande quelle envie. Tu vois, non? Voilà, j'aime. J'aime, bon, en d'autres termes, tu aimes le sexe. J'aime quand je demande. Hein, tu aimes quand tu demandes. De faire l'amour. Maintenant, j'aime quand elle aussi me, elle me demande de faire. Hein, tu n'aimes pas que toi seul, tu n'aimes pas toi seul demander à chaque moment. Elle aussi n'a qu'à te demander. C'est ça, non? Bon. Ça, c'est compliqué, hein? Si tu te le dis, voilà. Maintenant, tu peux te donner combien de pourcents sur. Tu peux te noter comme combien? C'est-à-dire que tu aimes le sexe à combien de pourcents? 600%. À 100% le sexe. Tu aimes à 80%, à 9% ou bien? Ah bon, à 50%. 50%, la moitié. Ah. C'est-à-dire que tu n'aimes pas trop. Non, pas trop. Nous sommes au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis, d'avoir été en notre compagnie. Voilà. Nous allons nous retrouver pour un prochain numéro du micro-trottoir. Je vais me répéter encore, hein, comme vous le savez toujours, c'est la chanson de tous les jours. Abonnez-vous, commentez, likez, laissez des propositions de sujets. Parce qu'on a besoin aussi de vos sujets pour pouvoir interviewer des personnes dans les rues. Voilà, puisque c'est pour vous, nous faisons. Donc donnez vos avis aussi concernant les sujets. Et nous allons tenir compte de ces sujets-là et aborder ces sujets-là dans nos différentes émissions. Sur ce, nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.